parce qu'on va faire des choses. Donc on va bloquer, on va aller débarrasser l'appartement de Tissène à Toulouse. Parce qu'il faut qu'elle soit débarrassée avant demain. On est un peu à la bourre avec son, avec son, sa main cassée là. Ouais, c'est parce que t'as bronzé. Et puis après on va aller faire quelques petites peut-être quelques petites emplettes. On verra. On verra. En plus il est que midi et demi, on n'a pas mangé. Donc aujourd'hui c'est la diète. C'est déjà la diète hier. Ouais. Bon allez, là je suis dans la voiture, ça sert à rien, je filme. Je filmerai en arrivant chez Tissène. S'il y a des choses intéressantes déjà à faire. Ouais mais tu filmes pas trop chez moi parce qu'à la rentrée. Ouais non, je filme de manière qu'on débarrasse quoi. Bah, regardez, je suis obligée de lui savonner les mains. Je suis obligée de lui savonner les mains. Est-ce qu'elle ne peut pas se savonner les mains? Comme on a touché les vêtements, on est passé chez Nike. On a acheté des vêtements. Du coup, je suis obligée de lui laver les mains. Plus de la gueule, heureusement que personne. Personne ne peut sentir à part moi. Ouais, ça c'est vrai, tu pues de la gueule. Tu sentis? Je sais pas. Bon, on va voir si on va trouver quelque chose à grignoter. Elle est contente, elle est passée chez New Yorker, elle s'est acheté une petite jupe et des petits hauts. Un petit haut. Bon, c'est bon, non? Violet, parce que c'est devenu ma couleur préférée, je trouve ça. Ouais, le mauve. Ouais. Regardez-moi ça. Regardez-moi les aménagements des jeunes. Ouf! C'est pas fini. Bon, c'est bon. On a tout vidé à peu près. Allez, Tissène, c'est parti. Allez, on y go. Il reste encore des trucs. Ouais, il reste encore des trucs. Mon Dieu. T'as les rendez-vous, meuf, c'est la merde. Regardez-nous tout ça. On est toutes collées, on est toutes... Dans 800 mètres, tournez à gauche. Tiens la poche. Et faut jeter une Tissène. On s'auto-tienne. Regardez le truc qu'on est. C'est quoi ça? Bon, Bella, du coup, on attend parce que Chachouna avait un petit rendez-vous. Donc, vu qu'il n'y avait pas de place nulle part dans Toulouse, on est à Saint-Cyprien, il n'y avait aucune place. On est dans une clinique privée. On est obligé de rester dans la voiture avec Tissène, se crever de chaud. Bon, elle n'est pas partie tout seule, Shine. Hein. Donc là, on est dans la voiture, il fait 30 degrés, on n'a pas de clim. On a pris la voiture la plus pourrie pour déménager Tissène, pour venir mettre toutes ses affaires pourries chez moi. Tu m'ignores ou je rêve? Je regarde des TikTok, je cherche des TikTok à faire. Donc voilà, du coup, on crève de chaud et on n'est pas les seuls, je crois. Parce que là, on est garé devant deux garages. Donc j'espère que les propriétaires... Oh, je m'en fous, j'ai le permis Tissène aussi. Mais bon, si pas, ils sortent, ils vont nous tuer. Le mec devant dans la voiture, il en a eu marre. Il est parti se mettre à l'ombre aussi. Parce qu'on est plusieurs à avoir fait la même chose, en fait. Il n'y a pas de place aussi. Ouais, il n'y a pas de place. En fait, on est tous garés devant des stationnements interdits. Donc ouais, ben, on est dans la voiture, donc c'est pas grave. Hein. Voilà, voilà. Pour la suite de l'aventure. C'est vrai. Et attends, la fois j'ai fait ça. Je suis fatiguée, j'ai mal au cou.
machine qui tourne. Et une machine qui tourne. Et une, ça c'est que les serviettes et les tapis, ça. J'ai tout mis ensemble parce que franchement, j'avais peur. Et après, elle a une grosse poche poubelle de vêtements qu'elle ne m'avait pas ramenée avant le confinement, qui sont restés là-bas. Donc du coup, j'ai une grosse poche à laver aussi. Voilà, voilà. Bon, mais là, je vais aller faire à manger, du coup. Faire à manger. J'ai déjà mis les les oignons. Je vais rajouter l'huile d'olive. Et puis, je vais faire des haricots blancs. Je vais faire la... comment ça s'appelle? Ah, comment ça s'appelle? J'ai le mot qui est au bout de ma langue. Mais je ne me souviens plus. La loupia. Voilà, je vais faire la loupia, du coup. Oh là là, mon lavabo, il est dégueulasse. Je viens de faire sécher ça. J'ai fait la vaisselle, il y avait 50 000 trucs dans la... C'est dégueulasse. Enfin, je vais nettoyer après parce que là, franchement, j'ai rien eu le temps de faire aujourd'hui. J'ai laissé tout en bazar, ma vaisselle. J'ai tout laissé en bazar. On est parti à Toulouse. On a voulu partir de bonne heure parce qu'il faisait hyper chaud. Et finalement, on rentre, il est 7h. On n'a pas mangé à midi. Voilà, il voulait aller au McDo, mais on ne sait jamais. Donc du coup, on n'a pas voulu qu'il mange au McDo. Bon, voilà, du coup, on s'est fait un petit repas dehors. Voilà. Tiziane et moi, on mange un loubia et un steak 100%, une petite salade, voilà, et des petits des fruits, petits yaourts nature avec ce sucre. Il est trop trop bon ce sucre, parce que moi je déteste le goût de l'aspartame, et franchement ce sucre-là, il n'a pas du tout le goût de l'aspartame. Donc celui-là, il est super bon pour mettre avec les yaourts. Et tiens, Chahine, s'il y a des mouches, tu peux mettre ça sur ton plat, si tu veux. Donc voilà, oh putain, il y a des mouches partout. Là 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 là. Deuxième jour, on part à la voiture vide et après on va la remplir. Tu pourrais chanter avec moi quand même. Hein. On s'en fout, tu pourrais chanter avec moi. Par contre, les enfants, quand je vous dis de vous mettre des crèmes pour le soleil, regardez. T'as vu, j'ai une tache qui est apparue là avec le soleil. Tu sais pourquoi? Bah, ça veut dire que je vais avoir des taches plus tard. Non, c'est parce que j'ai pas mis la... Bon, là, j'ai un bouton. J'ai pas mis la crème. Le premier jour, je me suis exposée là pendant le confinement. J'ai pas mis la crème. Du coup, j'ai une plaque là qui a atterri, qui est apparue. Je me suis acheté une bonne crème là qui cicatrise et protège à SFP. Non, SFP, hein, 50. Je veux comment on dit ça. On verra si ça va me réparer en même temps et protéger. Je la mets sous le maquillage. Et en plus, elle est pas trop épaisse. C'est une... C'est une bioderma, je crois. Je sais plus. Je vous la montrerai tout à l'heure. Quand je rentrerai à la maison. Allez, on y go. Deuxième voyage. Ça va, Tiziane? C'est rempli. C'est bon, on a terminé. Enfin, une bonne chose de faite jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, vu que tu n'auras plus le bandage, tu te débrouilles. Oula. Allez, on rentre maintenant. En tout cas, je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok. Tiziane, attends, elle est rentrée pendant que je faisais la vidéo. Donc, je vous disais, je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok. Je vous mets mon TikTok, tout est en barre d'infos. TikTok, Instagram, Snapchat. Mais en fait, Tiziane, la semaine dernière, elle m'a fait une connerie, quoi. Elle m'a fait un prank. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de me venger. Donc, je vais me venger. Si vous voulez voir ce que j'ai fait, je vous mettrai sur TikTok. Ouais. Je vous le dirai après. Mais allez le voir sur TikTok, ce sera bien. Ouais. Bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Tiziane? Rien du tout. Alors, par contre, ta petite blague. Quelle blague? Qui sera sur TikTok. Elle est géniale. C'est une blague de gamine, ma mère. Aïe! Qui c'est qui m'a fait une blague en premier? Ça se fait pas. Tu en es où avec ton doigt? Qu'est-ce que c'est que cette gueule? T'en es où avec ton doigt? Quoi? T'en es où? Quoi, j'en suis où? À ton doigt. Je suis à Montauban. Rendez-vous vendredi. Pourquoi? Ah oui. Vendredi pour savoir ce qu'on fait, si on lui coupe le doigt ou pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Ah putain, j'ai attrapé des boutons. Par contre, j'ai attrapé une tache de soleil. Comment on fait pour l'enlever? Dites-moi. Elle est là. Bon, ça, c'est un bouton qui m'a poussé. Bon, alors, ce vlog, il est terminé. Ça fait 2 jours que je tourne et du coup, ben voilà, c'est terminé. Hein. Tiziane est revenue à la maison et elle repartira plus, elle m'a dit. Parce qu'elle a dit que je lui manquais trop. Pose ton doigt. Pose ton doigt. Mais ça se fait pas, il pue pas mon doigt. Le doigt est en train de pourrir. Sors.
Dépêche-toi, parce qu'en plus, on est en train de regarder les stars des années 80 et là, j'ai mis poids. Alors, dépêche-toi. Bon, allez. Mais mon doigt, il pue pas, les gens. Vous croyez pas. Si vous faites un jour mettre ça là, sachez que vous allez avoir du fromage dans les doigts. Oh putain, c'est du fromage râpé, le truc. Mais c'est pas le fromage qui pue le plus? Attends, le fromage qui pue le plus, le maroilles, je crois. Attends, allez, vite, vite. Dépêche-toi, je suis en train... Oh, j'ai qu'à péter. J'ai entendu brosse. Et poisse de Bourgogne. Vous connaissez tous ces fromages? Oh, je n'aime pas. Tout comme le trou du cru ou le trou du cul? Trou du cru. Il est orangé. Je croyais qu'il avait écrit tout comme le trou du cul, mais c'est pas drôle. Bon, allez. Bref, je suis une épouse, ça sent les poisses de Bourgogne. Bref, voilà, c'est tout. Bon, allez. On fait des gros bisous. C'est là qu'il faut regarder quand je suis mal au téléphone. Et qu'est-ce qu'on dit? À très bientôt. On fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Et suivez-nous sur, TikTok. Merci. Je l'aurais déjà dit, t'inquiète. Mais moi, pas toi. Eh ben, allez. Merci. Et sur Insta aussi, parce que j'aimerais bien quand même sur Insta que vous soyez plus actifs. Parce que qu'est-ce que c'est que ça un petit peu quand même, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-leur. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, bye bye. Bye, à jamais.